Salut à tous, c'est la 3000 Sesame. On va faire une toute nouvelle vidéo sur les basebuilder.boombeach.com. Donc c'est le site de création de cartes de Boom Beach, de la Garde Noire en fait. Vous allez créer des bases de la Garde Noire. Si vous aimez ça, vous pouvez vous inscrire. Pour vous inscrire, il faut mettre register, inscription en fait en français. Le username, bon allez, 3000 Sesame. On va mettre un tac email. Ça, vous mettez votre email. Tac. Voilà. Je mets mon email. Hein. Tac. Voilà. Donc votre mot de passe, vous le mettez. Donc voilà, on vous mettait accepter les conditions, je ne suis pas un robot. Et voilà. Donc voilà, c'est bon. Vous avez It's great, donc c'est bien d'aborder commandants. Maintenant, ok, donc maintenant ils disent vérifiez sur votre boîte mail pour confirmer votre inscription. En gros, c'est à peu près ça qu'il dit. Et après, on sera notre meilleur ami. Ok. Bon, c'est une traduction un peu vague, mais c'est ça. Donc, voici. Donc là, je suis sur la boîte mail. Donc là, c'est pour confirmer. Donc ça, on s'en fiche. On va mettre verify. Non, ce n'est pas celui-ci. C'est... Donc, @gmail.com. Et ensuite, vous tapez le mot de passe. Tac. Et après, vous mettez Remember Me ou comme vous voulez. Et vous mettez Sign In. Et votre compte est créé. Donc là, voilà. Il y a mon compte. C'est bien le compte des base builders que je viens de faire. Donc là. Voilà, il y a Created Base, il n'y a rien. Donc si vous voulez commencer une base, vous cliquez sur le plus. Nous voilà donc sur la base builder. Donc là on a le lieutenant à Norman qui dit quelques trucs là. Hop. Alors, on a une proposition de 5 kills. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Bon allez, on va prendre celle-ci. J'aime bien. Voilà la base builder. Donc on commence avec juste un QG. Donc vous pouvez l'améliorer si besoin, enfin voilà, faites comme vous voulez. Et là on a le menu des défenses, donc il y a des défenses déjà. Donc, par exemple placer un super canon, vous pouvez l'améliorer comme ça. Donc, par exemple là, je peux dupliquer. Donc là on peut mettre d'autres bâtiments. Et aussi il vous propose aussi d'autres types de bâtiments, donc ça c'est des bâtiments de production, de ressources, renfort, enfin mis à part les barges hein, bien sûr qu'il n'y en a pas. Et après les décorations, que c'est-à-dire les rochers, les arbres, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc bien sûr vous pouvez mettre autant de défenses que vous voulez, donc il n'y a pas de limite, vous pouvez mettre 5 défenses si vous voulez, toc, voilà. Et après le niveau augmente en fonction du nombre de défenses et de leur puissance aussi. Et par contre, voilà, c'est ce défense-là. Et pareil pour les mines, vous pouvez les améliorer. Enfin, vous pouvez tout améliorer, en fait. Par exemple, même les bâtiments secondaires, en fait, vous pouvez les améliorer. Donc voilà, si vous avez terminé, vous mettez Publish. Donc voilà, il nous mène dans cette page. Et vous pouvez changer le nom de la base, vous pouvez mettre je sais pas qu'est-ce que vous pouvez mettre, la première base base builder, mettez ce que vous voulez après base builder 1, voilà. Donc vous pouvez mettre une description, donc après moi je mets pas de description, vous pouvez mettre des tags, donc je vais mettre 3000s, comme ça on verra à la prochaine. Ceux qui tapent 3016, oui, ils vont trouver, 3016, ils vont trouver. Donc voilà, si vous avez terminé votre base et que celle-ci vous plaît, vous pouvez mettre publish.
Donc là, elle va être publiée. Et donc là, vous pouvez aimer ou ce que vous voulez, et vous pouvez aussi la tester. Mais par contre, si vous faites sur PC, bah, il faut utiliser un émulateur, hein, donc par exemple du Start, c'est comme ça. Ou sinon, vous utilisez directement sur votre portable ou sur tablette, iOS, Android, peu importe. Et vous pouvez la tester, et après ils vont me poser la question. Voilà, je peux pas trop le faire parce que j'ai pas activé Blue Stars. Ça marchera pas. Donc dès que vous serez sur cette page-là, vous mettez I have Blue Beach et ils vont diriger directement dans le jeu. Et vous pourrez tester votre base. Ainsi que d'autres bases que vous avez dans la liste à côté, hein, par exemple. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous aimez la vidéo et abonner à ma chaîne si vous voulez voir les contenus suivants ou les autres vidéos. Allez, ciao!